J'ai trouvé une branche qui a été tombée cet hiver. Et si je la laisse, eh bien, le chemin, le sentier, le sommet que je veux aller voir, mais c'est un obstacle pour mes randonneurs. Chaque printemps, Jean-Paul Coulichy redessine inlassablement les sentiers de randonneurs autour du massif de Bavela. Jean-Paul est guide de haute montagne. C'est lui qui a révélé il y a 40 ans déjà, au monde entier, que son île, la Corse, est avant tout une montagne. C'est cette nature, regarde, quelle beauté il y a dans ce cadre. Tiens, ce granit-là, c'est formidable. Je sens dans moi-même cette force qui est dans ce rocher. Et moi, je me frotte à ce rocher, à cette violence de la nature. Ces couleurs, cet arrondi, ces formes. Et si je tape un petit peu, je sens aussi l'odeur. Je suis à la bifurcation du sentier. C'est là que je vais prendre. Comme le petit pousset, Jean-Paul jalonne tous ses sentiers de pyramides de cailloux. On appelle cela un cairn, une borne naturelle pour indiquer le bon chemin aux randonneurs. Lorsqu'il atteint le sommet, face aux aiguilles de Bavela, la montagne rappelle à Jean-Paul toutes ses conquêtes. Tu vois, tu regardes, ton regard se porte un petit peu sur ce cirque, et bien tu vois des pointes, j'en ai baptisé plus d'une cinquantaine. C'est vrai que ça me donne de la fierté. C'est comme lorsque j'arrive sur un sommet, il n'y a personne qui a mis les pieds. C'est formidable. Je suis le premier, on est les premiers, nous autres, des fois alpinistes, à mettre le pied sur un sommet vierge. Il y a des sommets, c'est le sommet qui me rappelle des moments où j'ai ça s'est marqué à vie. Dans quelques semaines, des centaines de touristes vont venir troubler la quiétude de cette montagne. Ce sera le début de la saison pour Jean-Paul, mais aussi son cauchemar. Certains touristes ne respectent pas la nature. La Corse recèle de nombreux trésors, comme la baie de Santa Giulia. Ou encore les falaises de Bonifacio et sa réserve maritime. Toute l'année, des hommes protègent cette nature exceptionnelle. Même les professionnels du tourisme bichonnent leur petit paradis. On est dans la plage de Santa Giulia, on ne voit pas un toit de maison. Vous y cherchez. Pendant un an, nous avons suivi la famille Abatucci avec Jean-Charles, le vigneron, l'alchimiste des vins corses bio. Le secret de ces grands crus se trouve sous nos yeux. Ce qui donne tous les parfums au vin rouge, principalement, c'est la fameuse myrte de Corse. Ouais, c'est juste... Son frère Jacques est éleveur. C'est lui qui a réintroduit sur ses terres une vache préhistorique, la vache tigre. Paysan moderne et respectueux de la tradition, il est à l'affût de toutes les dernières technologies. Voilà, donc ça c'est l'inspire. Solide comme un granit, Jean-Paul est toujours le roi des canyons de Bavela. Fais-moi un sourire, fais-moi un sourire. Ça va, Tiffen ? Ça va ! Et gare aux touristes qui ne respectent pas sa montagne. Je suis Corse, je suis guide, c'est ma terre, c'est mon pays et je la protège. Et puis il y a Dorine, l'ange gardien des vacanciers. Le tempérament de cette jeune Toulousaine a conquis le cœur des Corses. Vous venez d'arriver, mais sinon, vous venez combien de temps ? On peut faire quelque chose aussi, hein ? Surtout de bon bouger. Ah ! Sa vie en Corse est devenue un conte de fées. Non, mais comme ça, ça suffit. Alors elle a décidé de tout faire pour s'installer définitivement sur l'île de Beauté.
À une heure au sud d'Ajaccio, la vallée du Taravo et son maquis très dense. Loin de toute pollution, le comte Abatucci élève en totale liberté 270 vaches et 350 petits veaux. Eh oui, ils m'ont reconnu. Ils me regardent tout ça, tout. Son souci, il n'arrive pas à toutes les surveiller, car son domaine s'étend sur plus de 500 hectares. Alors Jacques a fait appel à la dernière technologie. Le drone de surveillance. Hein ? Comment vas-tu ? Bien, toi. Ça va ? Ouais, ouais. C'est calme. Voilà, donc ça, c'est l'inspire. Laurent Dubois assure que grâce à son engin, l'éleveur va pouvoir garder un œil sur toutes ses vaches. Et alors après, l'application, elle dit tout. Ah ouais ? Ah ouais, elle te dit, elle va te dire, voilà, la batterie est à 97%. D'abord, il va te faire normalement un, tu vois, vol assisté GPS. Il te dit que là, c'est bon. Il te montre le drone. D'accord. Et ce qui est indispensable, c'est pouvoir, grâce au drone, avoir une vue d'ensemble rapide oui. et pouvoir se concentrer pour aller chercher la bête qui manque. Et voir s'il y a des vaches qui font les veaux à droite, savoir à gauche, si le drone là où elles sont. Sur le maquis dense, peut-être qu'effectivement, ça sera difficile. En tout cas, c'est un projet passionnant et j'espère que ça va, voir, ça va aller. J'espère que ça va fonctionner. On va vous présenter une nouvelle mouche à 4 hélices. Voilà, et une de plus. Ouais, elle a touché à rien. Génial. Elle se met en position. Ah, génial. Voilà. Et si je veux monter, je monte. Ah, super. Tu vois ? Ok. Et alors là, après, on va monter. D'accord. Voilà. Et après, en pilotage, super. On va monter. Alors vas-y, alors vas-y. D'accord. C'est alors ça là, qui tu est... vas me dire ? Ça qui est important. Donc tu vois, sur la carte, on est ici. D'accord. Elles ont un peu peur, les vaches. Tu vois, regarde, elles sont en train de se sauver. Tu vois, t'es dessus là, ils ont peur, regarde. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut qu'elle. C'est comme tout, il faut qu'elle s'y habitue. Voilà, et quand tu avances, tu vois, tu découvres petit à petit. Tu avances avec ce côté-là. Ouais, ce stick-là pour avancer. D'accord. Comment ça se fait qu'un éleveur se mette à jouer avec un drone ? C'est pas trop jouer, c'est travailler. C'est que l'idée, c'est quand même de nous faciliter la tâche pour aller rechercher des bêtes. Donc c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est pas évident. Ça me paraît, je pensais que ce serait peut-être un peu plus évident. Parce que, tu vois, j'ai vu, il y avait une vache qui avait, elle avait, tu vois ça, cette vache qui est toute seule là, ouais. Ça c'est intéressant d'aller voir, savoir si c'est une vache qui a fait un veau, si elle est, là oui, là c'est le veau. Oui, il y en a un petit là, voilà, bon, voilà tu peux le voir. Bon, ben, là, l'autre vache avec le petit veau là. Ah ouais, d'accord, ok. Là, ah ouais, là on voit bien, là. C'est super. Je suis dessus. D'accord, ouais c'est la... D'accord, super. D'accord, impec. Ça, c'est une tigrée. C'est bon. Le but d'avoir un drone, c'est de fliquer les vaches hein, pour pouvoir les surveiller. L'idée, c'est que ce soit aussi facile hein, d'utiliser cette nouvelle technologie qu'on utilise comme avant le cow-boy qui prenait son cheval pour aller faire le tour. Bon, c'est vrai d'avoir un cheval, c'est sympa et tout, mais bon, vu les surfaces et vu l'étendue des parcelles et qu'on n'est pas toutes les unes à côté des autres, c'est quand même plus évident d'avoir un drone. C'est une autre technique, c'est le 21e siècle. Le cheval du 21e siècle. Hein, avec un élevage du 19e. C'est hein, ça. Voilà. Donc c'est le cheval du 21e siècle. Maintenant, il va falloir qu'elle vive avec. Une grosse mouche, ça fait un bruit de mouche, et vont se dire, tiens, ben, y a une nouvelle race de mouche qui est arrivée en Corse. Ces vaches tigres sont un véritable trésor pour la Corse. Jacques refuse de faire de l'élevage intensif. Son rêve est ailleurs. Il va participer au Trophée national de l'excellence bio. Mais la Corse a bien d'autres trésors. L'un des plus fragiles se trouve dans les Bouches de Bonifacio. Sous cette eau pure et transparente s'étend une forêt sous-marine. La posidonie. Une plante qui réoxygène la mer par photosynthèse. L'été, la posidonie est en grand danger. Alors chaque printemps, les gardiens de la réserve maritime de Bonifacio multiplient les sorties.
des centaines de propriétaires de bateaux ont tendance à prendre le littoral pour un parking. Il s'arrime à ces bouées, sous lesquelles se trouvent des énormes blocs de béton qui détruisent la Posidonie, le poumon de la mer. Le problème que l'on rencontre, c'est ça, c'est qu'il y a une prolifération de ces corps morts illicites. Et quand on commence à avoir des centaines de blocs de béton d'un mètre carré, d'un mètre carré, trois mètres carrés sur la Posidonie, on arrive après à avoir en superficie des centaines de mètres carrés de Posidonie recouverte. Les plongeurs de la réserve maritime utilisent une technique empruntée au renflouement d'épaves. Malgré leur poids, les corps morts sont remontés facilement à la surface grâce à un parachute rempli d'oxygène. Allez, prêt ? 3, 1, 2, 3. Pour éviter que les nouveaux plaisanciers de la saison d'été viennent s'installer au milieu de la réserve maritime, l'équipe de Paul Péchet se presse de nettoyer toute la zone. À quelques kilomètres de là, Santa Giulia, un lagon baignant au pied des montagnes. À la sortie de Porto Vecchio, cette plage est l'une des plus prisées de la Corse du Sud. À chaque fin de printemps, les professionnels du tourisme lui redonnent un coup d'éclat. Fred ! Jaco, ça va ? C'est quoi ma poule ? Ça va, bon Jaco ? Comment il va le petit Henri ? Super, très bien. Et grand ? Alors là, c'est des amis de la saison, là, hein, qu'on retrouve tous les ans. Jaco. Là, c'est la famille de la plage avec Nanou. Bonjour. Avec qui on se retrouve, voilà, un an après. Ça va, Nanou ? C'est la 17e saison pour Fred, responsable du club de ski nautique de Santa Giulia. Il vient tester aujourd'hui la solidité des fondations de son ponton, malmené pendant l'hiver. On va changer toutes ces pièces. On va changer les poteaux, hein. Quelques-uns. Ouais, ouais. Là, ça sera nickel. Ouais, ouais, c'est bien, ça va repartir. Mais oui. Voilà, on n'attend plus que de poser le beau tapis bleu pour accueillir les clients avec la moquette, hein. La petite cabane balinaise, et c'est reparti pour la 17e. Pour profiter pleinement de la vue, il faut aller à l'autre bout de ce petit paradis. Paul, restaurateur, a le sourire. C'est pas mal. Car le point de vue de sa paillote est unique. C'est pas mal, il y a pire comme endroit. Devant ces terrasses, l'eau est cristalline et le paysage encore vierge. Ici, la nature. Regardez, on ne voit pas une construction. On est dans la plage de Santa Giulia, on ne voit pas un toit de maison. Vous pouvez chercher. Magnifique. Mais la saison débute mal. Paul a dû reculer l'ouverture de son restaurant de 15 jours. Il vient de faire une découverte catastrophique. C'est bon, Paulo ? Un grand classique pour les paillotes en bois. Durant l'hiver, des locataires discrets se sont installés dans les poutres de la terrasse. Les termites ont mangé toutes les poutres dessous, donc il faut tout refaire. Les dégâts sont là. Ils sont là. En ce début de saison, suivant la loi des séries, les ennuis pour Paul s'accumulent. Des travaux vont débuter sur l'unique route qui accède à la plage de Santa Giulia et à son restaurant. On fait des travaux aux dernières minutes, excusez-moi, on est en saison là. On a commencé les travaux en plein hiver, on commence les travaux maintenant. Voilà, c'est autre que préjudiciable. Paul est irrité. Ses clients ne pourront plus se garer devant sa porte. C'est catastrophique, là. Il y a 50 places de parking, vous en supprimez 15. Le dernier week-end de mai, la Corse du Sud voit débarquer une première vague de touristes.
Mais déjà, les pompiers multiplient les interventions. Dorine est pompier volontaire depuis 5 ans à la caserne de Porto Vecchio. Là, on part pour un accident de la circulation à Palavèze. Il y a deux voitures en cause, apparemment. Et donc, on part avec l'ambulance. Il y a le secours routier qui vient en plus. Au volant d'un 4x4, un touriste belge a percuté un autre véhicule avec à son bord deux personnes âgées. Non, on va bloquer la circulation, le temps de l'accident. Dorine, d'accord, moi je oui. t'occupe des deux dames, ouais, je vais regarder ouais. le monsieur dans le camion. On est venu avec la même carte. Il y a la dame dedans. Bonjour. D'accord. Une infirmière avec vous ou pas ? Non. La passagère arrière est choquée. Allez, posez. Allez, on s'en charge. Mettez votre main sur le ventre. Non, sur le ventre. Est-ce que vous avez sa sœur, la conductrice, indemne, est encore sous le coup de l'émotion. Oui, d'accord. Et je si je vous fais... Pas. Non. Vous non. méditez, hein. Non, non, oui, non, rien. Et le bas du dos, non, rien non, du tout. Non, 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 non. J'ai pas cogné, j'ai freiné. L'airbag a déclenché, j'ai pas vu. On était ceinturés, donc... Oui, au niveau de là, vous avez non, pas mal. Non, le, non. L'airbag a déclenché ou pas? Non. Par contre, si on la perfuse, on va l'allonger, non ? Ben c'est elle, elle pourrait pas être perfusée à 6 heures. Comme vous voulez. Dorine, c'est bon ? C'est bon. Ça va ? Les accidentés s'en tirent avec quelques contusions. Dorine est pompier volontaire depuis l'âge de 16 ans. C'est un drame personnel qui a déclenché sa vocation. Il y a 11 ans maintenant, j'ai eu un grave accident de voiture. Et donc je pense que s'il n'y avait pas eu tout ce qui est aide-soignant, pompier, infirmière, à ce moment-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et quand j'ai su que ben, c'est bon, j'étais tirée d'affaires, je suis sortie de l'hôpital, j'ai rejoint toute ma famille et tout ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire quoi. Donc je sais pas, ça a été un espèce de déclic et ça c'est pour nous. Pas le temps de se poser. Cette fois c'est un malaise cardiaque dans un camping de Porto Vecchio. Venise 46 fait des parts, pas personne, golf de ça. On a 8 minutes je crois pour intervenir, pour arriver sur les lieux à peu près. Ça peut être tout ou rien. De retour de la plage, un touriste italien a fait une syncope. Bonjour. L'homme indique qu'il a déjà eu des problèmes cardiaques. Solo questo. Questo fa male. Non. Bon, ok. Si il bon, il a un pacemaker. Ouais, il y a le semi qui se déplace. Hein. Voilà. L'ordonnance per les médicaments. Si. Medicine. La tension du patient est très basse. Il doit être transporté d'urgence à l'hôpital. Augustin, tu peux venir m'aider à le descendre. Va bene. Sto a posto. Non, non, c'est parti. Non, c'est parti. Attention, là, ça va s'accrocher. C'est bon, bonjour. Non, c'est bon. La journée de Dorine pourrait s'arrêter là. Mais entre deux permanences chez les pompiers, elle exerce un deuxième métier. Merci. Dorine, la pompier volontaire, a été élue Miss Corse. Elle inaugure aujourd'hui une foire artisanale. Phénoménal.
Comment va notre belle Miss? Ça va. Tu vas bien? Et toi? Ça va? Ouais. Comment vous la trouvez, la Miss? Un peu grande pour moi, côté, regardez, un peu grande. Elle est adorable. Elle est adorable. Et ouais. Voilà. Voilà, notre charmante Miss, Dorine Ross, et que j'avais vu. Profitez-en, si vous voulez faire quelques photos avec elle. Oui. Alors, je déclare ouverte la foire de Porto Vecchio. Bonjour. Une Miss Corse doit avoir le sourire en toute situation. Dorine pose volontiers avec ses admirateurs et affectionne particulièrement les spécialités corses. Oh, pardon. Merci. C'est des beignets ou brooch? Spécialité. C'est très bon. Pas trop diététique, mais c'est très bon. Vous les goûtez? Je veux bien. Tenez, mademoiselle, allez-y goûter. Merci. Voilà, mademoiselle, merci beaucoup. Les meilleurs macarons de Porto Vecchio. Oh. Elle va grossir, là. Comment? Elle va grossir. J'essaie de faire de mon mieux pour assumer cette écharpe et essayer de jongler entre la responsabilité de Miss, le boulot à côté qui nous prend pas mal de temps. Et j'espère que je leur rends bien à eux aussi. En même temps, je ne connais pas beaucoup de Miss. Dernière pause, avant de prendre la route. Voilà. Miss Corse est attendue également à l'autre bout de l'île. À Bastia, préfecture du département de la Haute-Corse. Elle a rendez-vous pour une séance photo avec René Marie, ancien couturier de la maison Dior. Ils mettent une dernière touche à une robe de mariée créée spécialement pour elle. Le styliste a été conquis par la personnalité de Dorine. Moi, je choisis Dorine. Je choisis Dorine parce qu'elle est à la fois Miss et pompier. C'est un peu incohérent, non? Miss, c'est hyper féminin. C'est vraiment la féminité poussée à l'extrême. Et pompier, c'est... Alors, attention, hein, c'est un styliste qui dit ça, c'est un métier d'homme. Parce que couturier, c'est un métier de femme. Voilà. Devenir Miss était un rêve pour Dorine. Mais elle n'avait jamais osé se présenter. Son conte de fées a débuté d'une manière surprenante. Un soir, au bal des pompiers, ses collègues l'inscrivent à son insu à l'élection de Miss Corse. Sur le coup, je pensais qu'il rigolait. Et puis après, quand j'ai vu que non, en fait, c'était sérieux, je me suis dit n'importe quoi, j'ai pas le profil. Qu'est-ce que je vais faire ce soir-là à cette élection? Et au final, bon, voilà, je me suis pris au jeu. En fait, je me suis pris au jeu, j'ai même pas calculé de me dire il faut que je gagne, il faut que je gagne. Je me laisse embarquer et voilà, ça n'a pas trop mal terminé. Je sais pas si on a pris, mais j'aime. La séance photo a lieu à la citadelle, la Bastilia, qui a donné son nom à la ville de Bastia. En cette saison, elle n'est pas encore prise d'assaut par les touristes. Ouais, c'est bien là. Mais la météo est capricieuse et a fait chuter le thermomètre à 10 degrés. T'as très très chaud, c'est la méthode Coué, tu n'y penses plus, hein, il fait pas froid aujourd'hui. Et puis tu me fais, voilà, tu me fais un regard, voilà, top. Très vite, René-Marie entraîne sa troupe en direction du port. Sa fleur a pu. Bon. Et le mari, où il est? C'est moi. Eh oui, j'épouse les trois, c'est la mode maintenant. Vous savez, monsieur, c'est... c'est une nouvelle tendance maintenant. Hein. Avant que les commerçants du marché ne quittent la place Saint-Nicolas, la photographe Paul Santoni improvise un nouveau décor. Et mets ta main plus haute, Dorine, sur l'armoire. Ça fait pas naturel. Si, ça fait naturel. Ça fait bon pied, non? C'est top, Dodo, là, c'est bien. Pour Dorine, cette séance photo est une sorte de test. Entre la femme pompier et la femme mannequin, alors? Entre la femme pompier, finalement, c'est la même personne. Hein. Le métier de mannequin est aléatoire. Celui de Miss éphémère, et Dorine ne souhaite pas devenir pompier professionnel. Alors elle s'est lancée dans des études d'aide-soignante.
Si elle veut envisager définitivement son avenir sur l'île, elle devra d'abord réussir son examen. L'été, les vacanciers affectionnent la Corse du Sud. Ils envahissent la plage de Santa Giulia pour le bonheur des commerçants corses, qui eux ont 2 mois pour faire leur chiffre d'affaires. La montagne connaît elle aussi un succès grandissant. Le massif de Bavella et ses majestueuses aiguilles situées sur la partie sud-est de l'île est le lieu de départ incontournable de tous les randonneurs. L'arrivée de Jean-Paul au col marque le début de la saison. Lorsqu'il arrive, le guide est accueilli comme une star. Comme vous dites. Ça va bien. T'es au monde. Il y a à peine un yacht. Jean-Paul Quinici. Je peux vous présenter. Premier guide de Corse, donc, le guide de montagne. Bonjour. Jean-Paul, c'est le... Comment dire, c'est le summum de la montagne. C'est le, notre père à tous, quoi. C'est une référence. On l'a eu comme ami, on l'a eu comme formateur. Je suis content de le voir, de voir qu'il est toujours là. Malgré ses 73 printemps, Jean-Paul guide au pas de charge un groupe de jeunes inscrits pour un baptême de canyoning. Bon, les jeunes, les dames, vous viennent derrière moi. Ce canyon, je l'ai ouvert en 92. Il y a le Pulisquedo, le Porcarach et la Vaca. Il y a 3 canyons qui sont intéressants. Le Pusque, je ne le fais pas parce que c'est un canyon facile. Et je le laisse à ma grand-mère qui, elle fait que ça. Mémé, elle a 89 ans et c'est comme ça. Alors, faites attention là. Faites attention. La traversée. Dans les années 80, ces canyons étaient déserts. Oh, mais c'est Guillaume! Jean-Paul! Oh! Je passe toujours. Là, je suis obligé de jouer, te laisser passer avec ton groupe. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, tiens. Jean-Paul Quinici a fait naître bien des vocations chez les jeunes insulaires. Avec lui, le canyoning est devenu une mode qui provoque parfois des embouteillages en pleine nature. Aujourd'hui, je parie qu'il va y avoir facilement 200 à 300 personnes qui vont passer, qui vont aller aux cascades. Oui. Allez, ici, il y a une dalle, vos pieds à plat. Chaque année, de plus en plus de randonneurs amateurs partent à l'aventure par leurs propres moyens et font du camping sauvage. Une pratique interdite que Jean-Paul Quinici ne tolère pas. Bonjour. C'est pas bien ce que vous faites là. Vous n'êtes pas respectueux du pays. C'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a pas de camping? Vous avez peur de payer? Si tout le monde était comme vous, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je ne veux plus vous voir là. Je suis nettoyé. Je suis corse, je suis guide, c'est ma terre, c'est mon pays et je la protège. On est d'accord pour que les gens viennent au tourisme, mais le tourisme, il faut qu'il soit respectueux. Merci. Ça me met en colère parce que c'est toujours pareil, je veux protéger au maximum. Si on dit que la Corse est belle, la Corse elle est authentique, elle a belle nature, mais il a fallu la protéger, la nature. Bien sûr, c'est beau de venir camper, mais aussi tout le monde fait ça, c'est le bordel. Après une demi-heure de marche, sous un soleil de plomb, la récompense se trouve 50 mètres plus bas. C'est là-bas. Si je tombe, tire. Je lâche et c'est lui qui fait mon travail. J'ai un petit peu stressé là. J'avoue que pour le rappel. Bon d'accord, allez. On a 40-50 mètres de rappel et. Allez. Je sais pas, je suis pas hyper confiante en fait. Je viens où exactement? Vers moi. Viens me voir, viens. Viens. Là. Ça glisse. Mais non, viens ici. C'est parti. Au revoir, mademoiselle. Allez, allez. Allez, allez, on réfléchit pas. Allez, allez.
Ça passe là ? Oui, oui, allez. Attends, tiens. Allez, oui, bien sûr, allez, allez. C'est parti. Allez, lâche ça. C'est fini, allez. Allez, debout, debout. J'arrive. Deux, oui, oui. Vous vous approchez là. C'est bien. Écarte un peu les pieds, merci. Fais-moi un sourire, fais-moi un sourire. Ça va, Tiffany ? Ça va. Attends, 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 je fais, ça passe là, ça? Oui, 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 Tiffen descend, Tiffen descend. J'y vais. Oui. Lorsqu'ils arrivent en bas, ils disent, oh, c'était facile, je me suis régalé, je me suis amusé, j'ai pris du plaisir. Ils sont prêts à recommencer, c'est ça important. Je l'ai fait. J'ai pris mon temps pour le faire, on va dire, mais ça, c'est bien fait. La suite du périple prend des allures de parc d'attractions avec ses toboggans naturels. Après 3 heures de crapahutage, c'est au tour du vétéran de montrer de quoi il est encore capable. Dans la vallée du Taravo, à 50 km au sud d'Ajaccio, les vaches tigres du comte Abatucci s'ébattent en toute liberté. Depuis le printemps, son cheptel est sous bonne surveillance. Le drone fait sa ronde, mais les vaches ne semblent toujours pas habituées à sa présence. Pour rentabiliser son élevage bio, Jacques s'est transformé cette fois en cuisinier. Là, on va vérifier qu'il y a assez de bois. Et il a mis au point un dispositif ingénieux. Une cuisine ambulante pour faire cuire un veau entier à la broche. Ça, c'est la broche, voilà. Donc, on a assez de bois. Ça, c'est... Il y a du chêne, de l'olivier sauvage. Ça, c'est bon. Le but, c'est pas de le fumer, le veau. Donc, c'est de le cuire, qui a un petit parfum, grâce au chêne et à l'olivier, mais pas plus. Voilà. Faut se dépêcher parce qu'il faut cuire à l'heure. Hein. Il faut 10 heures de cuisson. Si les gens vont manger à 9 heures, il ne faut pas traîner. Hein. Voilà. Donc on y va. Le veau à la broche, à domicile. Cette spécialité lui a ouvert bien des portes. Aujourd'hui, Jacques a rendez-vous sur la plage de Santa Giulia, où est organisé un grand banquet. Mais en haute saison, le comte Abatucci a du mal à quitter son maquis. Ça y est, là, c'est les routes des plages. Là, ça y est, ça commence à devenir l'enfer. Des files de voitures. Moi, ça m'agace profondément. J'ai choisi d'avoir une vie à la campagne. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire avec, mais bon. On va sortir notre bébé. Le bébé en question pèse plus de 80 kilos. C'est bon, lâche. Attends, vas-y. Attends. Encore. C'est bon, c'est bon. C'est bon, tire. Voilà, nickel. Vous voyez le brancard d'ambulance, à quoi ça sert ? Hein ? C'est top. Le brancard d'ambulance. Ouais. Réadapter vos broches. C'est bon ? Doucement, les gars, doucement. Doucement. Hop, c'est bon. Allez. C'est festif. Et en plus, ça, c'est ça, mieux qu'Astérix. Hein ? Non ? Sanglier, ça fait petit. Là, ça fait pas petit joueur. C'est parti pour 10 heures de cuisson. La plage de Santa Giulia n'est qu'à 1h30 de la ferme de Jacques. Mais pour Véronique, son épouse, qui vit en Corse depuis plus de 10 ans, c'est une visite quelque peu exotique. Moi, c'est la première fois. Ouais, Véro, c'est la première fois, ouais. Moi, souvent, parce que les gamins, quand on sortait à Porto-Vec, on sortait en boîte à Porto-Vec, on venait se baigner là, il y avait moins de monde. Mais bon, maintenant, j'y viendrai pas pendant la journée, là, parce qu'il y a un peu trop de monde, à Mougou. Maintenant, il est un peu sauvage aussi à la campagne, normal. À l'autre bout de la plage. Combien de personnes ? 4 personnes.
Paul, le restaurateur a enfin réglé son problème avec les termites et les travaux devant sa porte. Saint-Pierre, s'assoit. Alors, c'est caché. Sa terrasse, comme chaque année, affiche complet. Tenez, je vous ai dépiauté la tête. Il y a les joues. Tiens, il y a trop de travail pour moi. Je vais prendre la relève. Allez, tiens. À 21h30, le veau tigre bio de Jacques est enfin prêt à être dégusté par 150 convives. Il reste juste sur la colonne, tu as vu un peu ? Extra, ça. Et pour être sûr de son succès, Jacques a préparé une potion magique. Une sauce inimitable dont la recette est transmise depuis plusieurs générations. Une vieille sauce de salamoud corse, mais c'est celle que faisait ma mère. Et donc j'ai repris exactement ce qu'elle faisait parce que c'était tellement bon. Ça n'avait rien à changer. Deux vins différents, de l'huile, du thym, laurier, sel, poivre, oignon, ail, quatre épices. Il faut voir surtout avec. Chaque fois, c'est un challenge. C'est pour ça que j'ai toujours la pression, parce que finalement, c'est risqué. Et chaque fois, on se remet en cause. C'est tellement important. J'ai pas envie de le louper, quoi. Pendant des années, j'ai galéré. Donc, à un moment, il faut assurer, quoi. Les invités de ce soir sont de fins gourmets. Le veau de Jacques doit absolument être à la hauteur de sa réputation. C'est très bien. C'est fondant, c'est une texture douce, c'est extraordinaire. C'est délicieux, la sauce est excellente. C'est tendre, c'est superbe. Jacques fait partie d'une des plus vieilles familles de l'île. L'éleveur est l'héritier d'une longue dynastie de comtes. Salut le Giroboam, c'est mon frère. Eh oui, oui, oui. Voilà, le vigneron et mon fils. Voilà. Le jeune comte alors. 9e génération. Allez, Antoine, le fils de Jacques, a fait le voyage de Barcelone, où il travaille dans la finance. C'est lui qui un jour héritera du titre de comte Abatucci. Vous vous rendez compte, depuis 1450. Donc c'est quand même, il y a un poids sur les épaules, le pauvre. C'est qu'il faut l'entretenir, il faut la faire vivre. Parce qu'à un moment, c'est cette vie qui est importante, avec ses traditions de ruralité, de valeur, hein, d'honnêteté, de droiture, hein, et de gentillesse. Voilà, pour le moment, ils sont encore là. Moi, je fais mon petit bout de chemin, et puis il viendra le moment où je reviendrai en Corse pour récupérer tout ça. Le veau braisé est un franc succès. Au mois d'août, Porto Vecchio multiplie sa population par 10. Les touristes profitent de la fraîcheur du soir pour visiter la vieille ville. Mais à la caserne des pompiers, les interventions s'enchaînent sans relâche. Départ RSAV 46, secours personne, malaise indéterminé, plage de Palombage. Dorine est encore de garde. Il est minuit. La caserne vient d'être appelée par un centre de vacances. Une touriste allemande a fait une mauvaise chute. Bonjour. Ah oui. Attention ici. Oui, c'est une belle entorse. Une belle entorse. On va aller sur la clinique et on va passer une radio. La chaise. J'espère que ce n'est pas cassé, hein, parce que j'ai cassé 3 fois les ligaments. Allez. Pas de chance, c'est son premier jour de vacances. Ah, je veux faire la vacance. Vous venez d'arriver, mais sinon, vous venez combien de temps? Deux semaines. Ah, 2 semaines, d'accord. Attends. Peut-être que je peux faire quelque chose aussi, hein? Surtout non? Ah.
Avec toutes ses activités, Dorine a du mal à trouver le sommeil. Mais comme ça, ça suffit. On sait que ça commence à 8h le matin, que ça finit 8h le lendemain matin. Est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'on va pas dormir, on sait pas trop. Donc on n'a pas le temps beaucoup de se poser. Enfin, surtout moi cet été avec les miss en plus du travail des pompiers. Ça s'arrête pas. Le lendemain matin, Dorine s'accorde enfin une journée de répit à la plage de Santa Julia. Ok, on se met là ? Elle est en compagnie d'Anaïs, une autre pompier volontaire venue elle aussi du continent. Un an déjà que Dorine s'est installée à Porto Vecchio. Plus question pour elle de retourner vivre dans la région toulousaine. Ça a été un déclic en fait. Je me voyais pas aller ailleurs qu'ici. Une fois que je suis venue m'installer ici pour faire la saison la première fois, au moment de repartir, j'ai eu beaucoup de mal à le vivre. L'odeur, la vue, la mentalité qu'il y avait. Il ne tardait qu'une chose, c'était de revenir pour de bon, m'installer ici. Les clichés ont la dent dure, notamment que la Corse et ses habitants n'accepteraient pas facilement les continentaux. Il faut savoir rester discret quand on arrive, et on sait rester à notre place, et pas arriver en terrain conquis, dire « moi je viens de Tours, je viens de Paris, je connais mieux que vous, machin », ça non. Les personnes dans le même cas que nous, sont pas corses de sang, mais sont corses de cœur. Avant de reprendre leur garde, difficile pour Dorine et Anaïs de résister à cette eau cristalline de 23 degrés. Ah, elle est super bonne. J'aime encore plus la Corse quand c'est comme ça. Un peu plus haut, il y en a d'autres qui aiment profondément la Corse. À Zicavo, le village de la famille Abatucci. Aujourd'hui, une grosse fête se prépare. Elle n'a lieu qu'une fois par an. C'est ma taille, parfaitement. Donc, c'était vraiment le même gabarit. C'est marrant. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Chaque année, la statue de Saint-Roch traverse le village de Zicavo. La procession se termine dans l'enceinte de la maison des Abatucci, dont il est le saint protecteur. Le saint reprend sa place à l'entrée de la maison jusqu'à l'année prochaine. Une tradition immuable depuis 1460. Aujourd'hui, le comte Abatucci accueille les parents proches, les cousins éloignés et les amis. Le plat de résistance et bien sûr, le veau à la broche. Attends, tiens, un petit bout de grillé, non ? Avec plaisir. Hop, allez, au revoir. Spit. Tiens, spit. Raymond, tiens, un tire-bouchon. Jean-Charles, le cadet des Abatucci, est vigneron. Voilà. Il est impatient de faire découvrir sa nouvelle cuvée. Cette année, elle porte le prénom de sa fille. Viens. Hein, voilà, la cuvée Faustine. Et Faustine, toujours des histoires de famille. Ben oui, c'est... comme après, vous avez vu aussi les cuvées qui mettent, on va dire, à l'honneur mes ancêtres, avec la cuvée du général, la cuvée du diplomate, la cuvée du ministre. Et ici, on est vraiment dans le berceau, avec toute l'histoire de la famille, qui fait vraiment partie intégrante de notre vie. Hein. C'est, voilà. Si Saint-Roch veille sur la famille, le comte Abatucci est le gardien de la mémoire familiale. Il nous entraîne au premier étage de la casa pour faire un voyage à travers le temps. Alors là, c'est pas un musée, hein, puisque c'est notre maison. On est tous nés ici, cette chambre-là, ici. Bon, je ne veux pas aller un peu en désordre, donc je ne veux pas vous montrer. Mais c'est la chambre où tout le monde est né, moi aussi. Le salon, aux allures de cabinet particulier, expose toute la dynastie d'hommes politiques et de généraux de la famille qui ont marqué l'histoire de France et celle de la Corse. Ça, c'est le ministre, le garde des Sceaux. Il est mort en fonction, place Vendôme. Et donc, on nous a renvoyé toutes ses affaires, hein, bien évidemment, dont sa pochette de ministre,
Napoléon III. Hein, et on a toujours les documents d'époque, avec les entêtes. Regardez, ministère de la Justice, 1850. Elle fait un peu des bêtises, des fois, des coloriages sur ces... Vous savez, quand vous êtes petit, mais vous prenez des papiers que vous trouvez pour faire des coloriages. Alors, sur un papier d'entête ministère de la Justice de 1854, c'est quand même un peu dommage. C'est un peu original. Dans cette armoire, l'uniforme restait intact de Jean-Charles Abatucci, général de la Révolution, mort à 26 ans contre les Autrichiens. Pour ce fait d'armes, son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe. C'est quand même un peu fragile, hein. Mais... Vous voyez, c'est ma taille, parfaitement. Donc, c'était vraiment le même gabarit. Et là, comment vous vous sentez comme ça, là? Je me sens comme un agriculteur, avec des ancêtres illustres. Voilà, c'est tout, pas plus. C'est beaucoup de poids, mais voilà. C'est pas moi qui ai mérité, hein, c'est eux. Abatucci, unissons-nous, l'union fait la force. L'hymne de la famille Abatucci rappelle que la 18e génération est bien là. Jacques, l'éleveur, et Jean-Charles, le viticulteur, marqueront-ils à leur tour de leur empreinte l'histoire de la Corse ? De la Corse ! Pour les titres de gloire, dans quelques semaines, une belle surprise les attend. Depuis la terrasse de sa maison, chaque matin, Jean-Paul observe la météo. S'il aperçoit clairement les aiguilles de Bavella, c'est bon signe. La lumière sera belle. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Philippe Pierangeli, le photographe spécialiste de la montagne corse. Il vient réaliser son portrait. Comment vous êtes, c'est vrai. Ah oui. Alors, comment vas-tu? Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Et moi aussi. Jean-Paul prépare son prochain livre. Il rebaptise dans sa langue corse tous les sommets des aiguilles de Bavella. La plume de... C'est toi, on n'avait pas de nom. Mm-hmm. Et c'est moi qui les ai nommés. Punta Longa, c'est moi. Punta Alta, c'est moi. Punta Iola, c'est moi. Punta Surgenti, à Tove, ici, qui est en face, ça n'existait pas. Maëlie, quand tu grimperas dans quelques années... Tu vois, tu auras la carte, ah, voilà. Et tu diras, tiens, là je suis là où Jean-Paul m'a montré et a nommé le... Non mais c'est vachement sympa que tu renommes tout. Alors si tu vois, c'est vraiment le maquis. Avec toutes les... Pour la séance photo, Jean-Paul a choisi un lieu symbolique, voilà. Le Mont Ventoux. Viens, viens là. Là, si tu continues le chemin, tu arrives sur le Gervin qui fait baver la Conca. Ici, tu es sur un sommet qui a été mon première ascension lorsque j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Je suis arrivé ici avec ma mère. Ça me fait plaisir de te donner un petit peu cette fibre qui est en moi et qui essaie de la faire passer à travers des paroles. Tu peux me regarder. Voilà. Ça, c'est des bons moments de portrait. Tu es paisible, là, tu es confiant. Plus bas, dans la vallée du Taravo, c'est le temps des vendanges dans le domaine de Jean-Charles Abatucci, le frère de Jacques. Le rouge, vous le ramassez aussi, hein, Richard? D'accord. Brahim, tu vas rentrer ici. Ici, là. Et on prend tous ce rang-là. Surnommé Bioman par ses collègues viticulteurs, Jean-Charles lance le début de la cueillette en fonction de la position des planètes. C'est pas pour rien qu'on vendange ici ce matin, parce qu'en fait, on est en jour fruit par rapport au calendrier lunaire, et que pour nous, c'est très important. Jean-Charles fait de la viticulture historique. Il respecte le savoir-faire des anciens. Non, c'est rien.
On est en train de vendanger donc le cépage Genovese, qui est un vieux cépage corse, vous voyez, qui fait quand même des jolies grappes. Hein. Des grappes en apparence prometteuses, mais pour faire un grand millésime, le premier test, c'est le goût. On va goûter un raisin. En fait, on va avoir avec ça un jus excellent et du coup un vin excellent. Que du bonheur. Cette année, la cuvée s'annonce exceptionnelle. Non loin de là, quelques vaches tigres du comte Abatucci sont descendues dans la plaine du Taravo. Pour Jacques, les hauts de son domaine, c'est un peu comme un immense jardin, un maquis laissé à l'abandon. On pense que dans les anciens temps, on était plus, on pense à la préhistoire, le maquis, les forêts, tout ça. Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on est à la préhistoire. Regardez, ça, on est reparti dans les maquis, alors qu'avant, c'était tout cultivé. Là, on a ce qui existait avant ici, avec des oliviers. Il n'y avait pas un pied d'olivier qui n'était pas exploité. Tout était exploité, on récoltait partout. Alors Jacques utilise les grands moyens et façonne le paysage à coups de bulldozer. Cette initiative n'est pas pour déplaire à ces vaches tigres. Vous allez voir comment on fait pour démaquiser et comment on nourrit les vaches aussi en même temps. Le bruit du bulldozer attire toutes les gourmandes des alentours. Ce sont des bêtes qui sont tellement rustiques que dès qu'on commence à faire ce type de travail, tout de suite elles arrivent. Hein, et elles vont se nourrir pendant toute la nuit, elles vont rester toute la nuit à manger ces feuilles d'olivier. Je crée un grand parc, un beau parc. Elles ont leur espace, c'est leur maison, hein. C'est leur maison avec leur garde-manger, tout ça, elles s'organisent. Parce qu'en plus, les vaches, pour qu'elles soient, que la viande soit bonne, il faut qu'elles soient bien. Et ça, c'est la zénitude des vaches. Et voilà à quoi ressemblera le maquis de Jacques dans quelques années. Parfois, lorsqu'il y est obligé, Jacques quitte son maquis. Quelques semaines plus tard, c'est à Paris que nous le retrouvons, avec son épouse. La recherche permanente de l'excellence avec ses vaches tigres lui vaut d'être nominé parmi les meilleurs producteurs de France. Dans la catégorie producteur, je vais appeler M. Jacques Abatucci et son épouse. C'est déjà le reflet de la passion du pays. La directrice de l'Agence nationale du bio récompense aujourd'hui la méthode d'élevage de Jacques, qui associe tradition et modernité. Mais pour la famille Abatucci, c'est avant tout une reconnaissance pour la production corse. Et ce n'est pas terminé. Pendant la remise des prix, son téléphone a vibré. C'est ce matin, j'ai eu ça. C'est le chevalier du mérite agricole. C'est une distinction agricole donnée par le ministère, par l'État. C'était déjà génial d'être nominé ici. Mais en plus, j'ai quand même ce diplôme. Il y a ma secrétaire qui l'a reçu en porte-parole ce matin et qui me l'a envoyé en photo. C'est génial. Une distinction qui viendra s'ajouter au titre de gloire des ancêtres de la famille Abatucci. Ajaccio. C'est aussi un grand jour pour Dorine. Elle passe son examen d'aide-soignante. Ça y est ? Procédé décidé à réduire les contaminations des surfaces en 3 temps. Si tu sais ça, tu as tout gagné. La fatigue cumulée de ses dernières gardes et son rôle de Miss Corse ont épuisé Dorine. Une petite révision de dernière minute s'impose. C'est quoi une glande exocrine ?
c'est qu'ils déversent en dehors du système sanguin. Dorine ne peut échouer à cet examen. De son succès dépendra de son avenir sur l'île de Beauté. Je pense que c'est une priorité, les études à l'heure d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment pour me préparer au métier, pour ma future voie professionnelle. Et du coup, oui, c'est important que je valide ça aujourd'hui. Je vous donne les sujets. Ils sont retournés. Vous avez bien révisé. Merci. 8 heures. Donc, ben, vous commencez. Bon courage jusqu'à 9h30. Les résultats seront connus dans quelques jours. Mais la journée de Dorine n'est pas terminée. Direction Porticcio, à une demi-heure d'Ajaccio. Dorine rejoint les répétitions de la prochaine élection de Miss Corse. Les futures Miss préparent leur chorégraphie. Ça va, belle. Ça a été ? Oui. Attends. La sortie de l'île ! Le conte de fées s'achève. Ce soir, elle rend sa couronne. Ma belle, ah, mon amour. Allez, Berthe. Tu me fais pleurer aussi. Allez, Bamba. Allez, ma dodo. Voilà, il y a un peu tout qui s'accumule, la fatigue, voilà, l'année qui se termine. Donc du coup, voilà, relâchement, le moindre truc. Voilà. Bon, on passe le flambeau. C'est comme ça. C'est le but du jeu. Dorine a rendu sa couronne. Mais quelques jours plus tard, une bonne nouvelle lui a fait retrouver le sourire. Elle a réussi son examen et obtenu son diplôme d'aide-soignante. Sa vie en Corse peut continuer. Après 3 années. Comme Jacques Abatucci, Jean-Paul descend rarement de sa montagne. Mais aujourd'hui, il a un rendez-vous important chez son éditeur. Je suis un peu anxieux, c'est un jour exceptionnel pour moi, parce que je descends exactement exprès à la plage pour la sortie du livre où j'ai travaillé pendant 2 ans. Monsieur Pouliche. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien ? Ça va bien. On a quelque chose à vous montrer. Il est pas arrivé, il est là. Je suis descendu exprès. Hein. C'est vrai ? Oui. Bon, venez, venez. Parce que ça a été... Je suis descendu exprès. Alors. Première vision, est-ce pour vous ? Ah. Le voilà, je sais que vous y attendez beaucoup. Ah là là. Donc, ça y est, je sais ça, que c'est ça, ça flash. Hein. Voilà. C'est vraiment la couleur. La couleur, déjà, au premier abord, il me plaît. Voilà, donc je présente le livre. Jean-Paul a conçu son livre pour tenir dans la poche des randonneurs. Et il a consigné à l'intérieur toute la liste de ses sentiers secrets. J'ai longtemps hésité à garder tout ça pour moi. Mais la Corse, elle est à tout le monde. Moi, lorsque je parle d'une fleur, lorsque je parle d'un sentier, ou je parle de quelque chose que je découvre, c'est avec mes tripes que je parle. Avec ce livre, l'année s'achève. Pour ses 73 ans, Jean-Paul Quilici se prépare pour sa prochaine expédition, loin de son île, en Patagonie. Quand son regard se pose sur la cime des montagnes corses, une nostalgie l'envahit. Il reste lucide
dans ce combat entre sa passion et le temps qui passe. Un jour, la montagne sera plus forte que moi et elle va me prendre. Mais je n'arrêterai pas la randonnée surtout parce que c'est ma vie. C'est ma vie. C'est sans ça, je n'existerai plus. T'es prêt pour la nouvelle saison ? Je me prépare.